Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Peace. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soarkoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur ma chaîne YouTube, une vidéo très très importante parce que on va parler un peu du futur de ma chaîne YouTube. Mais avant tout, je tiens à vous parler d'une chose très très importante parce que qui me tient à cœur, tout simplement, Jedice, donc un de mes potes, a créé une team, donc je suis le parrain. Donc voilà, je me dois de vous en parler. Aujourd'hui, ils sont en plein tournoi, ils vont commencer un tournoi. J'ai fait dans l'espace communauté un petit post pour vous prévenir, donc je l'ai fait un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc dans le lien vous avez la chaîne de la M Victory Team et vous avez une petite annonce. Donc en fait, tout simplement, ils vont participer à un tournoi. C'est un tournoi avec la Solari, il y a Gotaga, il y a tous les meilleurs joueurs et les meilleurs teams. Donc franchement, si vous voulez voir c'est quoi de l'e-sport, mais du vrai e-sport quoi, sur Fortnite, vous êtes pas prêts les mecs, hein, c'est pour ça que je le dis. Je vous invite à aller tout simplement rejoindre le live de la M Victory parce qu'ils ont réussi à se qualifier. Donc c'est des parties privées. Je pense que le lien, voilà, il y a un lien, non. Ouais, si, il y a un lien dans le truc. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, bah, vous tapez tout simplement je crois que c'est War Legend, voilà. Vous tapez War Legend Fortnite ici. Donc ici, voilà. Et vous tombez sur le site. Et là, il y a toutes les poules et tout qui sont expliquées. Donc le tournoi, il commence aujourd'hui. Donc la phase 1, c'est une demi-finale. Et puis la phase 2, ce sera la finale. Donc il y a toutes les équipes, tous les participants ici. Donc voilà, c'était l'espace un peu communauté. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça, son live. Je le mettrai en description. Je mettrai sa chaîne YouTube en description aussi. Et maintenant, on va parler de ma chaîne. Parce que tout simplement, comme vous pouvez déjà le savoir, pour certains d'entre vous, j'ai été striké. Donc depuis, je ne peux plus live sur ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez en savoir plus, je mettrai une vidéo où j'explique justement pourquoi j'ai été striké, à cause de qui, etc., etc. Alors moi, ce que je vous avais dit de vous abonner à la chaîne Soit Cool Mec. Donc on va aller voir si on a pris beaucoup d'abonnés. Je pense que on a quand même pris pas mal d'abonnés, donc je vais quand même vous remercier, hein, pour ce que vous avez fait. Donc ouais, j'étais à 240 abonnés, on a doublé en nombre d'abonnés quand j'ai fait ma vidéo. Et franchement, je tiens à tous vous dire un énorme merci parce que déjà vous avez suivi, il y a quand même 300 personnes qui ont suivi sur la chaîne secondaire. Et ça, c'est vraiment insane, c'est vraiment incroyable. Donc merci à 300 personnes qui se sont abonnées. Et merci à tous ceux qui me soutiennent, bien sûr, et merci aux 50 000 abonnés qui me suivent. Mais voilà, donc j'ai eu un strike et donc je me suis dit que j'allais liver sur Soit Cool Mec Live. Donc ma chaîne secondaire. Mais le problème, c'est que en regardant un peu plus les règles, pourquoi j'avais été striké, comment j'aurais pu enlever le strike et tout ça, je suis tombé ici en cas de mise en garde multiple. Si vous recevez des mises en garde dans votre compte, voici les conséquences. Donc première mise en garde, donc c'est ce que j'ai eu une mise en garde. Ils me disent que si vous recevez une mise en garde pour non-respect du règlement de la communauté dans votre compte, il est possible que vous ne puissiez plus effectuer de diffusion en direct. Si c'est le cas, il vous sera également interdit d'utiliser une autre chaîne pour diffuser des vidéos en direct sur YouTube. Tant que votre compte fait l'objet d'une mise en garde, le non-respect de cette règle est considéré comme un contournement de nos conditions d'utilisation et peut entraîner à la clôture de votre compte. Donc encore heureux que j'ai eu la chance de voir ce petit message là qui est bien caché dans les règlements, parce que si j'aurais pas vu ce petit message, tout simplement, j'aurais risqué de perdre ma chaîne principale complètement. Elle aurait été carrément clôturée, peut-être pas supprimée mais clôturée, et j'aurais galéré pour la récupérer. Donc franchement, j'ai été dégoûté quand j'ai vu ça. J'ai été dégoûté parce que je veux me battre, je veux pas me laisser faire, je veux continuer à me battre et être présent, je vais pas me faire niquer. Mais quand je vois ça, quand j'ai vu ça, là je me suis dit mais putain, qu'est-ce que je vais devoir faire. Alors là, j'ai trouvé une solution et tout simplement, au mieux que ce soit sur Twitch, sur YouTube, je vais aller sur Twitch. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais toute la communauté que j'ai sur YouTube voudront jamais aller sur Twitch parce que c'est pas la même chose. Donc je comprends bien et c'est pour ça que j'ai demandé à Johnny34 et Audrey Marley de liver sur tout simplement YouTube. Donc si jamais vous ne voulez pas aller sur Twitch, vous pouvez toujours rejoindre la chaîne de Johnny34 ou de Audrey Marley.
donc Audrey Marley, voilà. Vous les rejoignez, vous vous abonnez et normalement je serai en live avec eux. Donc moi je serai sur Twitch, mais eux seront sur YouTube. Donc voilà, c'est pour essayer quand même d'être présent sur YouTube, parce que moi j'ai fait une communauté sur YouTube et là je me pars sur Twitch parce que j'ai pas le choix. Hein. C'est pas parce que j'ai envie. Hein. Justement, moi j'ai envie de rester sur YouTube, mais là je peux pas live et je peux pas louper. Donc jusqu'au 21 novembre, je ne peux pas live sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit bon, bah, tant pis, je vais live sur Twitch. Et là, ben, tout simplement, je vous montre mon Twitch, ok? Donc le lien sera en description et tout, mais vous tracassez pas, ça ne s'arrête pas là. Parce que tout simplement, quand vous allez sur Twitch, ben, vous tapez soit cool, hein, vous tomberez sur ma chaîne, soit cool mec, vous cliquez ici, et là, ben, vous faites suivre, il y aura un petit cœur ou quoi, vous mettez suivre, et à chaque fois que je vais lancer un live, vous aurez une notification, soit si vous êtes connecté sur Twitch, vous aurez une notification ici, donc dans les notifications ici, ou alors vous aurez une notification par Gmail. Si jamais vous n'êtes pas sur Twitch, vous aurez une notification par mail ou peut-être par votre téléphone, enfin un truc dans le genre. Et ben, tous les lives se passera là. Alors pour vous tenir au courant que je fais un live sur Twitch, tout simplement, ben en fait j'ai créé avec Drop Dead Boy, donc grosse dédicace à toi Drop Dead Boy. On a travaillé toute la nuit, de cette nuit-ci, on a travaillé au moins 8 heures sur ça. Et regardez ce que ça donne. En fait, c'est tout simplement une vidéo où on a mis un logo. Hein, et moi, j'ai mis mon logo, enfin un logo Twitch. Donc, il est marqué « Sois cool mec » sur Twitch. Et là, le truc qui tourne en fonction du son. Donc voilà, tout est alimenté en fonction du son. Il y a un tremblement derrière. Il y a... Franchement, cet effet-là, je l'ai fait sur After Effects. C'est la première fois que je touche After Effects. Et franchement, c'est juste incroyable, c'est énorme. Et ça, si je peux le faire aussi, hein, ceci, c'est uniquement grâce à vous, parce que vous m'avez fait des dons et j'ai pu m'acheter un PC, parce que le programme, jamais j'aurais pu l'installer, c'est ici. Jamais il aurait fonctionné sur mon PC. Rien que pour mettre un rendu d'une vidéo de 40 secondes, il m'a fallu au moins une heure et demie. Et encore, on l'a pas mis en total, en full HD, enfin voilà quoi. On a réussi à faire un truc propre, mais encore heureux que j'ai un bon PC quoi. Donc encore heureux. Merci à tous. En fait, tout simplement, je vous remercie tous parce que grâce à vous, j'évolue sur YouTube. Grâce à vous, je peux m'acheter du matos. Vous me faites des dons, vous me soutenez. À chaque fois que je fais quelque chose, vous me soutenez. C'est vous, en fait, ma force. Vous êtes ma force. Et si je me bats, eh ben, c'est pour vous. Aussi pour moi parce que c'est ma passion. Mais surtout, c'est pour vous. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place. J'ai demandé à Audrey et à Johnny de live sur YouTube pour moi. Et moi, je le liverai sur Twitch aussi, hein, pour tous ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Twitch. Mais franchement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, essayer, tu vois. Tu vas sur Twitch, tu essayes, tu regardes si tu aimes bien, si tu n'aimes pas, bah, tu n'y vas plus. Mais voilà, franchement, essayez de vous abonner, venir voir un de mes lives. Normalement, je serai en live demain pour le DLC 4. Et voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Lime Victory Dice, Lime Victory Team, parce que tout simplement, ils sont en tournoi. Je suis le parrain et moi, je vais aller regarder leur tournoi un peu en secret parce que là, je vais rejoindre ma femme. Je vais regarder un peu le tournoi et je vais un peu suivre tout ça. Donc, si je vous vois dans les commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à venir. J'ai fait un petit post, hein, sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo information vous aura fait plaisir. C'était principalement pour vous informer que tous mes lives vont se passer sur Twitch jusqu'au 21 novembre. Je suis désolé, hein, j'ai eu un strike. Je travaille pour justement faire sauter mon strike. Si j'arrive à le faire sauter, bah, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah, tant pis, je vais devoir faire avec. Mais voilà, moi je fais ça dans les règles. Je ne fais pas une deuxième chaîne où je vais live parce que... Bah, le problème, c'est que si je live avec ça, bah, je risque de perdre ma chaîne principale. Je ne peux pas contourner les règles. Donc voilà. Enfin bref, je ne vais pas parler plus que ça parce que j'ai tout dit de toute façon. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis, je vous remercie tous pour tout le soutien que vous faites pour moi. Merci à tous ceux qui sont là pour moi et merci à tous ceux qui me donnent de l'argent, qui me donnent des conseils, qui m'aident. Franchement, merci à tous. Vous êtes au top et c'est grâce à vous que j'en suis ici aujourd'hui. Donc merci à tous ceux, à tous et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mike et ciao. Peace.